Avez-vous entendu parler du mixed learning? La combinaison d'une formation en présentiel et à distance? C'est le choix qu'a fait Icademy Aix-en-Provence et Paris. Les interactions se nouent entre étudiants en présentiel et se poursuivent à distance, par le biais des réseaux sociaux et d'une plateforme en ligne. C'est le principe du connectivisme, actuellement illustré par les MOOC. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour l'événement de l'année, la remise des diplômes à Aix-en-Provence. Alors suivez-nous pour assister à la soirée. Cette année, le Master 1 en MSVC. Mon directeur a décidé de reconduire le contrat. Et... On a commencé notre Master à Icademy, MSVC. On continuera l'année prochaine pour valider un Bac plus 5. J'ai envie de partir à Londres donc pour un an, pour apprendre l'anglais surtout, et travailler pour avoir d'expérience. Et par la suite, surtout, passer diplôme en anglais et ensuite intégrer une école de commerce. Maintenant, j'ai été embauché dans mon agence de com où j'ai réalisé mon alternance. D'accord. Donc c'est dans la continuité de... Aujourd'hui, donc, je me suis inscrit dans un projet d'ouverture d'agence immobilière. Donc on a ouvert l'agence immobilière sur la Ciotat et je suis agent immobilier. Cette année, du coup, vu que je suis inscrite aussi en DS, je vais le faire aussi. Donc je vais passer mes épreuves là au courant de l'année. Et ensuite faire un stage aussi, je pense, au mois peut-être de mars, avril. Essayer de partir à l'étranger pour un petit peu plus approfondir l'anglais en fait. Alors je continue sur le master parce que je voulais pas m'arrêter à la licence. Je voulais vraiment avoir un diplôme supérieur parce que pouvoir sortir le cadre de l'école c'est quand même un plus et un avantage dans l'entreprise. Surtout chez EDF, ils demandent vraiment d'avoir une formation cadre si on veut pouvoir avoir un espoir de postuler et d'être embauché. Pour l'expérience, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai arrêté l'école. Et on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir d'expérience. Donc là, à la fin du master, ça me ferait 3 ans d'expérience dans un domaine qui me plaît énormément.